Alors voilà, faut imaginer une super musique d'ambiance parce que c'est la star du magasin qui arrive dans les locaux. Alors bonjour, moi c'est Elodie. Je travaille dans le service communication de l'Hyper-U de Villefranche-de-Lauragais et je vais vous montrer mon bureau. Tadam! Donc voilà, faites pas attention, bordel! Donc là, c'est moi, je suis en train de poser un portique de sécurité. Oula, ça va vite! Donc là, je suis en train de mettre les affiches au plafond. Donc, comme vous voyez, il faut que j'insère mon affiche dans une barre aimantée et clac, je la mets au plafond. Allez, je vous remonte ça parce que je suis quand même sympa. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais ma chef m'a aidé à bien mettre l'affiche. Et hop, clac. Voilà, donc là je suis en train de réaliser le tableau du prix du lait parce que c'est un affichage obligatoire. Donc comme vous voyez, ça ressemble à un énorme ticket de caisse. Et là je vous montre comment je l'enlève. Bon, j'ai pris un escabeau, certes c'est pas très haut, mais vous verrez que dans la suite de la vidéo, attention, j'enlève l'escabeau et j'arrive à tout mettre toute seule. En vrai, ma chef m'a aidée. Ensuite, là c'est les affiches TG, donc qui sont positionnées en tête de gondole. Donc je les agrafe, attention, clac, 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 clac. Donc voilà, je vais dehors parce qu'il faut poser l'affiche de la semaine qui montre la belle saucisse perche de la charcuterie Comenge. Là, je suis en train de poser du coup l'affiche que j'agrafais tout à l'heure. Et ensuite, me voilà partie pour réaliser une affiche dynamique pour la location. Alors, ma super chef m'a réalisé l'affiche de base, l'affiche print. Du coup, je récupère tous les petits éléments sur Illustrator et je les mets sur Canva de façon à faire un petit truc sympa, dynamique, pour mettre sur le totem à l'entrée du magasin, les écrans et aussi sur les réseaux sociaux. On le met partout. Ah oui, entre deux, des fois, voilà, je suis appelée à aller faire un post pour les réseaux sociaux et puis d'un seul coup, il y a le boucher qui me dit « Oh, la basse-cote, le prix a baissé, a augmenté, là, on dirait. » Donc, vas-y que je fais une petite affiche. Et là, on dirait que je joue au poker. Mais c'est pas du tout ça. Bon, je suis en train de trier les stop rayons, qui sont les étiquettes prix, de tous les rayons. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc c'était ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous!